Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Manjaro Linux Unity qui est une version communautaire. Comme son nom l'indique, elle utilise Unity, l'environnement développé par Canonical pour Ubuntu. Donc, l'ensemble Unity étant très portable, n'est-ce pas? J'ai voulu voir ce que connaît cette distribution que m'a fait connaître Jean-Baptiste Sauvage. Donc là, on va lancer l'ensemble. Et vous n'allez pas être déçu du résultat. Donc on lance l'ensemble. Comme c'est indiqué, c'est Unity, donc Unity n'est pas super léger comme environnement au démarrage. Il y a déjà plusieurs petits bugs graphiques dont vous allez vous apercevoir très facilement. Ne serait-ce qu'au niveau de l'écran de connexion. Voilà. Oh, c'est joli ça déjà, on voit rien du tout. Vous noterez qu'il n'y a pas la zone de saisie qui est visible. On est obligé de taper à l'aveugle pour pouvoir se connecter. Premier bug. Deuxième bug, donc ça fait déjà 3, 4, 5. Voilà, donc c'est vrai que là, l'environnement s'est chargé assez rapidement. Mais j'ai eu des chargements jusqu'à 25 secondes. Vous avez bien entendu, 25 secondes. Non, il n'est pas entièrement chargé apparemment. Non, il n'est pas entièrement chargé. Ça y est, il est chargé. Donc en gros, il a mis 15 bonnes secondes à se charger. On va revérifier pour voir combien de temps il met pour se charger quand même, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc on va se déconnecter. Là. Bon, déjà c'est très beau, c'est très lisible. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 secondes. Pour mémoire, en gros, on va dire qu'il faut compter 16 à 20 secondes pour l'ensemble qui démarre. Donc là, on a la radio. Je trouve pratique si on en a envie ou pas. Donc on a, bien sûr, on voit que c'est marqué Unity for Arch Linux, si ça veut bien démarrer, voilà, Unity for Arch. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le panneau est quand même assez vide. Rendez-moi, c'est vide. Je veux bien que Manjaro ait des options complémentaires, mais ça fait quand même du vide. Où sont les comptes utilisateurs, par exemple? Pour se connecter sur Google, ta gueule saleté... Ah, coucher, sale bête! J'ai compris que sans notification était chargée. Ah, mais coucher, sale bête! Ah, là, c'est un menu aussi, ça, c'est le problème. À noter, vous avez vu, au lieu d'avoir le menu global en haut, on l'a dans les fenêtres. À comparer avec. Là, ça, c'est Tor qui se charge. Donc, si on veut utiliser Tor, très bien, mais si on n'a pas envie d'utiliser Tor, c'est chiant. Donc, il manque ne serait-ce que les comptes en ligne. Qu'est-ce qui manque aussi? Le compte utilisateur. Enfin, pas le compte utilisateur, la partie linguistique. Bon, ça, c'est géré par Manjaro. Mais si on regarde les préférences de Manjaro, alors, on va chercher paramètres. Voilà, paramètres système. Manjaro gestionnaire paramètres. Voilà. Donc, j'espère que l'ensemble va se lancer sans que ça me fasse un caca nerveux. Donc, voilà, le compte utilisateur. Mais où se trouvent, par exemple, les comptes utilisateurs en ligne? Par exemple, un compte Facebook, un compte Google, un compte Flickr. On ne peut pas. Allez vous faire voir. Voilà, c'est déjà très bien. Je passerai sur le fond d'écran qui fait penser à un film de SF des années 70. Il y a très très peu de logiciels, alors que si on compare avec Ubuntu, la barre latérale est chargée à mort. Voilà, donc là, oh la vache, enfin, bon, les icônes sont celles d'Ubuntu bien sûr. Et bien sûr, au lieu d'avoir le menu en haut à bas, en haut dans la barre d'outils, enfin la barre générale, on l'a dans chaque fenêtre, ce qui est très pratique. Au lieu d'avoir la barre de menu classique entre la fenêtre de barre de titre et le reste de la fenêtre, non, compliquons-nous la tâche. Vous en voulez plus? On va continuer. Donc là, on va aller dans les applications. Comme ça. Dans les applications.
Il y a 108 résultats. Oui. Vous avez vu, je vous testais Nero Linux. Parce qu'il y a Nero Linux. Oui, messieurs, dames. Alors que pour mémoire, Nero Linux a été abandonné en avril 2012. Il n'est plus fonctionné depuis avril 2012. Mais proposons un logiciel qui est pourri, qui n'existe plus, qui n'est plus supporté en amont. Ouais! Bon, il y a Audacious. Pinta, qui est un clone de Paint qui nécessite Mono. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Google Music Manager, si on a Koyadec, donc c'est. Voilà. LibreOffice Installer, pas LibreOffice. Mais non, surtout pas LibreOffice. Surtout pas. Il y a Octopi. Nero Linux, que je vais lancer tout de suite après. Play on Linux. Popcorn Time. Super. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal le logiciel qui est un peu incompréhensible. Pourquoi ne pas avoir fourni directement LibreOffice? Au lieu d'un outil qui est complètement pourri et inutilisable, qui s'appelle Nero pour Linux. C'est quoi ce truc? Ah d'accord, ça c'est un truc de téléchargement en download. Bon, on va faire mieux avec Nero. On va voir si ça se lance. Alors, non, c'est pas ça que je voulais. Donc Nero Linux, qui je vous rappelle, est abandonné techniquement depuis avril 2012, ce qui ne fait que 3 ans et quelques jours. Voilà! Allez vous faire foutre! Inutilisable! Voilà. Donc on va essayer de virer le numéro de série. On ne peut pas l'utiliser! Ouais! Non, ça en dit long sur cette distribution, quoi. Je croyais avoir vu de pire, mais on peut toujours creuser. Bon, bien Chromium, bien sûr, Dropbox. Si on était le 1er avril, je dirais que cette distribution est une grosse blague. Mais nous ne sommes pas le 1er avril, donc ce n'est pas une blague du 1er avril. Donc voilà, vous avez vu l'ensemble des outils utilisables ou pas. Donc on va quand même comparer avec le vrai Unity pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais pas. On va arrêter le massacre sur ça. Et je vais vous faire comparer avec un Unity qui, comme cette version de Manjaro Linux, utilise deux processeurs virtuels, l'accélération 3D et 2 Go de mémoire vive. Et on va voir le temps qu'elle va mettre à démarrer. Pour mémoire, le temps de chargement entre les contacts de connexion et Unity utilisable était de 16 secondes sous Manjaro. On va voir ça sous Linux, sous Ubuntu. Autant dire que la Manjaro Linux, Ubuntu, enfin Unity Edition, fuyait à grande vitesse dans le sens opposé. Même Ultimate Edition de Mate, enfin c'était UU Mate, c'était Ubuntu, et enfin quelque chose de Ultimate Edition pour la Manjaro, c'était pire. Enfin c'est pas pire mais presque. Enfin c'était non, c'était une dérivée qui prenait la Ubuntu Mate en la perfectionnant. Ah zut! Pourquoi j'ai. Ah d'accord, c'est compris. En gros, là, il y a des 10 secondes parce que. Alors, je vais recommencer, je vais me déconnecter. Parce que j'avais oublié. Voilà. Donc là, en papotant, j'avais oublié de compter les secondes depuis le départ. Donc. 1. Là, j'ai fait une faute de frappe. Bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 secondes. À peu près, c'est aussi rapide. 15 secondes au lieu de 16. Ouais, bon, c'est en gros, c'est aussi rapide. Mais on a une Logitech complète. Et qui est fonctionnelle. La preuve. On a une Logitech fonctionnelle avec tous les paramètres, dont ceux qui manquaient, comme les comptes en ligne. Son commentaire. Donc, on va finir par la comparaison avec la Ubuntu, enfin la Arch Linux GNOME, pour voir si on est encore. Bon, là, en gros, il y a une seconde de différence entre la Manjaro Linux Unity et l'Ubuntu. Mais Ubuntu a une Logitech complète et réaliste. Donc, on va finir avec l'Arch Linux GNOME qui me sert de base plus tutoriel d'avril 2015. Et on va voir laquelle des trois est plus rapide. Attendez, par contre, je crois que j'ai mis un petit truc. C'est d'activer la 3D là-dedans.
Alors je vais la fermer pour le moment. Non, j'ai pas affiché à activer la 3D, donc je vais activer l'accélération 3D que j'avais oublié d'activer ici, mais que j'avais oublié d'activer dans l'Arch Linux GNOME. Donc on va voir combien de temps il va mettre à démarrer. Même si GNOME démarre sans accélération 3D. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on est sous GDM et on va voir combien de temps on va mettre à charger GNOME. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros 18 secondes. Les trois environnements se chargent à la même vitesse. Mais on voit la différence. La Manjaro Linux Unity Edition est inutilisable. Parce que là, bon, je vais vous montrer l'ensemble que j'ai installé pour le tutoriel. Bon, c'est GNOME 3.14 parce que le 3.16 n'est pas encore disponible, la version stable. Mais déjà, là, on va comparer les paramètres système. Il n'y a pas photo. Pour mémoire, Unity utilise le GNOME comme base. La preuve, voilà. Et là, quand même, on a tous les réglages. Donc là, il n'y a pas photo. Si vous voulez utiliser Unity, passez par Ubuntu. Ne cherchez pas à comprendre, passez par Ubuntu. Tous les autres ports sont mauvais, bogués, inutilisables. J'espère que vous avez fait la preuve. Je vous dis à plus et bonne journée.